C'est un plan d'action qui s'étale sur 30 ans. Le projet Awa Polynesians Forest promet de contrôler les espèces envahissantes comme le Miconia et de planter des espèces indigènes et endémiques comme le Apapé, le Purau ou encore le Mara. Pour régénérer ces espèces endémiques, c'est la vallée de Mu'arwa Mataya de 250 hectares qui a été choisie pour réaliser ce projet d'envergure. 6 jeunes de la commune ont été embauchés et à terme, le site sera ouvert au public. L'information en continu sur Polynésie la Première, Internet et réseaux sociaux.